Bonjour, aujourd'hui donc on va voir trois ou quatre astuces sur Excel. Ok, donc ici on a un tableau, ici on a les fruits, deux types de fruits, fruits numéro 1, fruits numéro 2, et deux types de légumes, légumes 1 et 2, ici janvier, février, ici janvier, février. La première des choses donc, on va faire ici la somme, donc une astuce, donc pour faire ici la somme des valeurs, donc ici c'est la quantité, ici c'est les prix, ici c'est les valeurs, c'est-à-dire quantité multipliée par le prix. Donc je vais sélectionner cette colonne tout entière avec la dernière cellule ici vide. Ensuite, je clique sur F5. Je choisis ici cellule. Ensuite, cellule vide et je mets OK. Donc les cellules vides sont sélectionnées. Et j'appuie sur Alt égal, comme vous voyez. Donc voilà ici donc, qu'est-ce qu'il me donne? Ici, il me donne la somme de ceci. Je m'échappe. Ici, la somme de ceci. Ici, la somme de ceci. Et ici, la somme de ceci. OK. Ensuite, je veux ici, avoir ici le total global. Je mets donc, je clique sur Alt égal toujours. Et il me donne donc, comme vous voyez ici, la somme de E23, E17, E12 et E6. OK? Je mets entrée. Donc voilà. Si par hasard, parmi cette liste ici des prix, j'ai quelques articles dont le prix ont changé, par exemple ici 50, et ici par exemple 100, et ici par exemple 20. Je vais donc changer ici les prix de ces trois articles, de ceci. On va supposer que la liste est très grande. Donc, je sélectionne ici juste comme ça, jusqu'ici. Je mets copier. Et ici, je mets collage spécial. Ici, je mets blanc non compris. Je mets OK. Voilà donc. Les prix ici sont intacts, sauf ce que j'ai changé ici. OK? Voilà donc, c'est deux astuces. La troisième, donc, on peut zoomer en cliquant sur CTRL ALT et moins. Ou bien plus. Plus on zoome comme ça. Voilà. Ou comme ça. Ça dépend donc. OK? À la prochaine donc.